dès la première mi-temps, on a vu que c'était un peu serré, mais après la pause, le coach il a essayé de modifier certaines choses. Et finalement, ça s'est très 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 bien passé avec 2-0. Et on prend la tête de la poule avec 3 points devant la Namibie. Namibie qui a battu la Tunisie 1-0. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits du match. Et si prêt à Dieu, Inch'Allah, nous allons remporter cette coupe. Oui, quand on avait le pénalty au Sud-Africain, comment tu te sentais? Vraiment, je sais pas comment dire. J'étais vraiment. Si on m'avait dit, moi là, j'étais à bord. Bon, bref, d'après, c'est le Mali, le Maliba. En Maliba, on est fiers d'être malien. Voilà. Il a raté le penalty et ça a donné un boost de courage aux joueurs. Bon, voilà. Bon, c'est vraiment un sentiment de satisfaction ce soir. Après cette première victoire, surtout que nous ne jouons pas très loin du pays, donc la victoire vraiment était nécessaire. Ouais, c'est vrai, en première mi-temps, ça a commencé très timidement avec la pression des supporters, mais après la première mi-temps, les joueurs ont vraiment su rebondir et maintenir le cap afin d'avoir cette victoire. Bon, déjà, notre objectif, c'est d'arriver à la fin de cette compétition et rentrer avec le trophée au Mali. C'est ça l'objectif, cette CAN. Vraiment, je suis fier de tous les aigles du Mali, toutes les nations. C'était un match incroyable. Au début, c'était vraiment compliqué pour les aigles. Mais avec le deuxième mi-temps, ils ont pris le match au sérieux. Grâce à Dieu, on a eu la victoire 2-0. Je sais qu'on a guéri vraiment pour cette CAN. On sait que, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, Côte d'Ivoire cette année, c'est Mali qui va remporter. Donc, quand même, tu as vu, la population malienne qui était là, tous les quartiers sont sortis. Donc, pour venir soutenir les aigles et regarder les matchs aussi en direct. Donc, c'est très, très important pour ce pays. Ouais, je suis content de vraiment des jeux que les aigles ont fait. Au début, quand même, j'étais un peu énervé parce que c'est que, il y a certains jeux qui n'étaient pas à leur poste. Donc, avec le deuxième mi-temps, on honorait les matchs. Donc, ça s'est bien passé à la fin de la match de score 2-0. Donc, je suis vraiment fier de cette équipe. Le problème qui se passe, cette équipe, tout ce sont les jeunesse. Les ballons d'abord, c'est la jeunesse qui comptait d'abord. Si ils se donnent la main 100%, 90%, ils donnent jouer avec le cœur, on sait que ça va aller très loin. Bon, cette équipe, je pense que 2021, j'étais au Cameroun. C'est sur les gens qu'on se connaît très bien. Même moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont à l'intérieur, donc on s'est vu, donc on se connaît très bien. En plus, je sais qu'ils étaient au Cameroun, donc grâce à cas de finance, nous sommes sortis. Mais j'ai confiance à cette équipe et c'est que ça va aller très loin, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Bon, je pense qu'il y a Sénégal d'abord, que je vois qu'ils sont vraiment favoris, après Sénégal, après Côte d'Ivoire. Donc, je pense que plus Mali, je vois que vraiment les trois pays, le quatrième, je peux dire aussi au Cameroun, parce que malgré avec les matchs de la Guinée, c'était pas facile, mais il y avait certains absents. Mais je pense qu'avec le deuxième match contre Sénégal, le Lyon va gagner, Inch'Allah.